Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV, je suis très heureux de vous retrouver ce soir les Nuréens pour une nouvelle émission Témoignage Extraordinaire. Avant cela, j'espère que vous passez un bel été, j'espère que les émissions qu'on a diffusées au mois de juin et au mois de juillet, des émissions inédites, vous ont plu. Ce soir, c'est une émission enregistrée une nouvelle fois, mais rassurez-vous, dès le mois d'août, nous allons nous retrouver en live, vous aurez le programme très prochainement. Ce soir, Témoignage Extraordinaire, et nous commençons par le récit de Nathalie, qui revient pour nous sur son observation étrange d'une boule lumineuse qu'elle interprète comme la manifestation d'un être de lumière. Merci Nathalie. Bonjour Nuria TV, bonjour tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis énergéticienne, passeuse d'âme et canal. Voilà, j'en ai fait mon métier il y a quelques années. Ça a été un long cheminement que je continue encore aujourd'hui. Alors je voulais vous voir pour deux sujets. Le premier a pour sujet un événement extraordinaire justement qui a eu lieu la veille de mon deuxième mariage avec Pascal. Donc nous nous sommes mariés le 5 septembre 2020 et le 4 septembre 2020 nous avons reçu nos témoins pour un souper entre amis à la maison. Et puis nous étions sur la terrasse et puis là d'un seul coup, nous avons vu une boule de lumière venir dans le ciel, très lumineuse. Elle était toute petite au départ et elle se dirigeait vers nous. Donc, au moment où elle s'est approchée et qu'elle s'est stabilisée, cette boule de lumière a pris de l'expansion et ça fait comme des rayons de soleil. Alors que le soleil était sur la droite, puisque nous sommes situés au sud-ouest, donc le soleil partait à l'ouest pour se coucher, il était environ 19h début septembre. Donc je vais vous montrer cette photo, la seule photo qui a été prise, parce que moi j'avais pas mon portable, j'étais tellement hypnotisée par cette boule de lumière qui était présente juste devant l'appartement, devant l'endroit où nous étions, que j'étais incapable de prendre une photo. Donc voilà cette photo, vous me direz ce que vous en pensez, à quoi ça vous fait penser. C'est la seule photo qui a été prise, voilà, je vous la montre en entier. Donc moi le message que j'ai eu directement de mes guides, c'est que c'était évidemment un être de lumière qui venait nous saluer, mon mari et moi, pour notre mariage, puisque mon mari et moi c'est un contrat d'âme, c'est des retrouvailles d'âme. Donc là où ils étaient très contents que nous nous retrouvions, c'était important tant pour lui que pour moi, dans notre éveil spirituel entre autres. Et donc voilà cette photo de cette boule de lumière. Vous voyez le trait, bon le trait, ben, je pense que je ne sais pas trop, mais c'est de la lumière. Et c'est, voilà, c'est quand il a pris de l'expansion. Et donc il est resté quelques minutes comme ça, statique. Et puis il s'est mis à reculer, puis il est reparti dans le ciel, voilà. Donc moi j'ai vraiment eu ce message d'un être de lumière qui est venu nous saluer. Maintenant je laisse libre cours à vos remarques, à votre imagination pour me donner vos ressentis tout simplement. Je signale qu'il n'y avait pas de métal, etc. Il n'y avait rien, c'était qu'une boule de lumière. Et donc c'était pas un drone, c'était pas un ballon sonde ou je ne sais pas quoi, cette lumière. En plus elle n'était pas du tout aveuglante, on pouvait la regarder en face, qu'on ne peut pas faire avec le soleil. Et c'est pour ça qu'on était hypnotisés, quoi. Donc ça a été mon plus beau cadeau de mariage, je dirais. J'en ai eu d'autres, on en a eu d'autres, hein, d'autres cadeaux de là-haut. Mais celui-là, ça a été vraiment... notre plus beau cadeau. Et merci à l'au-delà, merci à l'invisible pour leur présence à notre mariage. Voilà, merci à vous pour vos remarques qui seront les bienvenues. La deuxième chose extraordinaire, je dirais, que j'ai vécu quelques temps auparavant, évidemment, ça a été beaucoup moins réjouissant. C'est-à-dire que le papa de mes filles allait bientôt partir. Il avait un cancer du foie, etc., un cancer généralisé. Et on savait que ses jours étaient comptés, il était hospitalisé. Et donc, à l'époque, je vivais près de chez ma fille. Et puis, ma fille aînée a décidé, avec l'accord des médecins, de le faire sortir pour qu'il finisse ses jours chez elle. Donc, la veille de son retour à la maison,
Le soir, il était 22 h dans ces eaux-là, on était en train de nettoyer, on avait vu les médecins dans la journée. On était en train de nettoyer son grand bureau pour recevoir le lit médicalisé où il allait rester jusqu'à son départ. Et puis, donc, on range un peu le bureau, cette grande pièce où il y a une grande fenêtre à trois vantaux. Donc, qui donne sur l'avant et on voit au loin, enfin au loin, à quelques mètres, comment dire, la lumière de la rue. Donc, c'était pas dans le noir, je dirais. Et d'un seul coup, je vois passer devant la fenêtre, comme en lévitation, je dirais, parce que c'est pas quelqu'un qui marchait, un homme, une entité, un moine vêtu d'un capuchon. De profil, il a marché doucement, mais pour moi il évitait, enfin, c'était vraiment très léger. Il est passé devant les trois fenêtres comme ça, et moi je l'ai vu évidemment, je l'ai vu, je suis restée scotchée comme on dit, et puis il avait son capuchon comme ça, et directement mes guides m'ont dit c'est l'archange Azraël. Mais je savais même pas qu'il pouvait se matérialiser, quoi, dans la matière. Qu'on pouvait le voir, et comme j'ai fait la corrélation plus tard avec mon rôle de passeuse d'âme, évidemment, puisque c'est l'archange des passeurs d'âme, et c'est l'archange qui vient chercher les âmes au moment de leur départ. Donc pour moi, ça a été un grand moment, et ma fille, justement, a vu que j'ai bloqué sur la fenêtre, et puis j'étais même pas 2 mètres de la fenêtre, donc je l'ai vraiment bien vu. Et ma fille me dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Je fais, non, non, je lui ai pas dit là parce qu'elle était déjà assez dans la peine, donc j'ai gardé ça pour plus tard. En fait, il n'y a pas si longtemps que je lui ai annoncé ce que j'avais vu. Voilà, pour prendre un peu de recul sur l'événement qu'elle a dû vivre. Et puis, donc j'ai bien reçu le message de qui c'était, de cet archange de la mort, comme on l'appelle, celui qui vient chercher les âmes. Et donc voilà, j'ai passé la nuit là. Le lendemain matin, en fin de matinée, mon ex-mari, le papa de mes enfants, est arrivé à la maison en ambulance. On l'a installé dans la chambre et puis il est décédé le jour même à 19 h. Alors tout ça pour dire que moi qui travaille depuis plusieurs années, même voilà, depuis le départ de ma maman en fait, où je me suis ouvert à tout ça. Je travaille beaucoup avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. C'est mon monde, je dirais, voilà. C'est mon monde de prédilection pour mes soins, pour mes canalisations, pour mes nettoyages. Voilà, tout ce que je peux faire, je passe toujours par eux. C'est eux qui m'enseignent. Et donc voilà, ça a été un grand moment, des grands moments que je qualifie d'extraordinaire dans ma vie. Voilà, dans ma spiritualité, surtout dans mon éveil spirituel, des preuves de l'invisible que j'ai eues, j'en ai d'autres. J'ai d'autres choses qui se sont passées depuis et puis même avant, qui ont enclenché tout ça. Et donc, je voulais vous dire, oui, croyez, croyez que tout est possible, qui, oui, ils peuvent se manifester quand c'est important pour vous. Ils peuvent vous sauver la vie, oui. Et ils peuvent vous donner de très belles preuves de leur existence et de leur présence près de vous. Voilà, je vais vous laisser. Je vous embrasse tous. Je vous remercie. Merci beaucoup à Nuria TV de m'avoir permis de donner mon témoignage, si petit soit-il, si humble soit-il. Et puis, je vous souhaite à tous le meilleur. Merci. À bientôt. Au revoir. Le témoignage que vous allez découvrir maintenant nous a été envoyé par Demian. Il partage avec nous deux histoires. L'une d'une observation d'OVNI qui s'est déroulée du côté de Santiago au Chili, et une seconde qui relate une étrange rencontre avec une créature bipède dans une forêt de la région parisienne. Un grand merci à toi, Demian, pour ces deux anecdotes. Je vous laisse les découvrir. Bonjour tout le monde, les Nuréens, Guillaume, Nora et les gens qui sont derrière cette merveilleuse chaîne. Je vais commencer par vous remercier vraiment du fond du cœur parce que j'adore tout ce que vous faites. C'est ma chaîne TV de mes rêves. Depuis que je suis petit, j'adore tout ce qui est paranormal, tous les mystères.
Et du coup, voilà, c'est la perfection pour moi. Et depuis que j'ai connu la chaîne, il n'y a pas si longtemps, je suis accro, dans le bon sens du terme. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, continuez, et super travail, et félicitations. Et donc, merci pour cet espace aussi, c'est super intéressant. Et du coup, je me dis, tiens, je vais partager quelques-unes de mes histoires. J'en ai plusieurs, mais là, je vais choisir. J'en ai deux. Je pense que je vais en raconter deux. Donc, une sur les ovnis et l'autre sur, on pourrait dire, cryptozoologie peut-être. Voilà. Donc, la première sur les ovnis. Donc, ça se passe au Chili, à Santiago, la capitale. Ça fait 12 ans à peu près. En pleine journée, journée ensoleillée, je suis dans un bus avec un ami. Moi, je suis de côté fenêtre. Et d'un coup, je vois quelque chose dans le ciel qui prend mon attention. Alors, je regarde. Et au tout début, je pense que c'est des avions qui laissent des traces de fumée. Vous savez, une espèce de show d'avions qui font des manœuvres et laissent des traces de couleurs. Et très rapidement, j'ai vu que ce n'était pas ça. Parce que donc je regarde et je vois clairement, il y a 8 sphères métalliques. On voit très clairement, c'est en métal et c'est des sphères qui sont parfaitement alignées, qui avancent comme ça. Bon, on entend aucun bruit, hein. On est quand même dans le bus, mais aucun bruit spécial. Ça avance comme ça, de façon très régulière, parfaitement régulière. En fait, tout avance à la même vitesse. Et les distances sont. C'est parfait, quoi. C'est au millimètre près, on y est. Et chaque sphère laisse une trace de fumée, mais avec des intervalles différents. Donc une fumée blanche-grise à peu près. Et comme voilà, chacune de ça a des moments différents, ça fait des trous en fait. Donc imaginez ces 8 sphères qui avancent avec ces 8 traits de fumée où il y a des trous, donc à différents endroits. Donc ça fait une espèce de code bizarre de design. Donc je regarde ça et du coup je vois qu'il y a. J'essaie de voir s'il y a quelque chose de caché dans cette espèce de dessin, design. Donc je regarde plus les fumées plutôt que les sphères, à essayer de comprendre quelque chose. Donc je comprends rien. Mais je trouve ça très intéressant. Et là je re-regarde où sont les sphères et il n'y a plus de sphères. Donc je demande à mon ami qui regardait comme moi. Puis lui m'a dit qu'il a vu, il a regardé les sphères carrément disparaître. Donc ça a confirmé ce que je voyais aussi. Personne d'autre regardait. Enfin, c'est comme si c'était, il n'y avait que nous deux qui regardaient ça, le phénomène. Donc voilà, ça, je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 15-20 secondes. En tout cas, c'était parfaitement net, tout était très clair. Et du coup, bah, on est resté un peu comme ça. C'était un ovni, quoi. Surtout que, bah, ça, y a plusieurs trucs bizarres. Le fait que ça disparaisse, surtout, c'est le plus bizarre. Le fait que ça soit qu'on voit des sphères et pas des avions avec des ailes, on perçoit des ailes quand même. Les fumées, bon, voilà. Donc, peut-être ça, au moment où ça disparaît, que ça passe dans une autre dimension ou pas, on sait pas. Mais ouais, j'ai jamais, moi qui suis passionné du phénomène ovni, j'avais pas entendu ni lu une histoire qui ressemblait à celle-là, avec les fumées, tout ça. Donc ça, voilà, ça me paraît intéressant. En tout cas, au Chili, il y a beaucoup d'histoires d'ovnis. Plus qu'en France, on raconte plus. Voilà, en tout cas, première histoire. Deuxième histoire, ça se passe en France, il y a environ peut-être 3-4 ans, dans la forêt d'Armainvilliers, pas loin de Paris, une forêt qui est assez grande. Moi, je me promène beaucoup en forêt, j'adore ça. Et
Et du coup, cette forêt, il y a beaucoup de champignons de toutes sortes. Et une belle énergie, j'aime bien cette forêt. Côté un peu. On sent qu'il y a de la vie, il y a de la magie. Et ce jour-là, je me suis promené longtemps et très loin. Je me suis bien éloigné de la gare. Et je me suis perdu, en fait. Donc moi, voilà, je m'étais bien éloigné de la gare, du point de départ. Je m'étais bien enfoncé et donc voilà, je savais plus où j'étais. Et la nuit commençait à tomber, donc je commençais à me dire, mince, ça craint un peu. J'aimerais pas quand même passer la nuit perdu dans la forêt là. Et à un moment donné, je suis quand même sur un chemin et j'arrive sur un croisement d'un autre grand chemin. Donc ça me rassure, je me dis, tiens, ça, je vais peut-être me repérer, je me dis, je vais tourner à droite pour faire un grand tour de la forêt. J'imaginais plus ou moins où j'étais quand même. Et c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Je marche dans ce chemin, j'arrive à l'intersection, le carrefour. Et là, je regarde à ma gauche, comme ça, je reste figé, je regarde à ma gauche et je vois un personnage qui marche vers moi dans le chemin. Assez loin, mais suffisamment près pour voir que c'était un homme ou un bipède en tout cas, qui marche plus ou moins comme un humain. Et donc déjà, bon, une autre personne à cette heure-ci au fond de cette forêt. C'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Ça donne envie de se voir c'est qui. Donc je reste là, juste, je regarde. Et ça, il se rapproche. Et plus je le regarde, et plus je comprends pas trop, c'est un peu bizarre parce que je le vois, il est tout marron. Donc, des pieds à la tête, il est tout marron, j'arrive pas à distinguer des vêtements, ni les cheveux, ni. Voilà, c'était. Ce qui est bizarre parce qu'en général, même si c'est loin, on voit plus ou moins voilà, les vêtements, les couleurs. Là, c'était vraiment un bipède marron, tout marron. Et donc, voilà. Donc, en fait, je continuais à le regarder parce que justement, j'arrivais pas trop à l'identifier. Et voilà, je scotche comme ça un bon moment. J'ai l'impression que le temps, il s'arrête presque. Et il continue à se rapprocher de moi. Et à un moment donné, il se tourne de profil. Et là, il saute dans la forêt, il s'enfonce dans pleine forêt. Et donc déjà, on se demande pourquoi un homme vêtu tout marron, sans sac, sans rien, saute en pleine forêt à cette heure-ci, il commence à faire nuit. Et surtout, voilà, au moment où il saute, c'est là où cette image, elle m'est restée dans la tête, parce que du coup, j'arrive à le percevoir un peu mieux. Et c'est le moment où il saute, donc je vais essayer plus ou moins de mimer le geste en fait. Voilà, je sais pas, quand quelqu'un saute, tu vois, on enjambe quelque chose, on reste plus ou moins vertical, mais lui, quand il a sauté, il s'est mis comme ça, tu vois, avec le dos bas, la position comme ça, un peu, voilà, un peu comme un singe, quoi, hein, plus comme un animal, comme si presque il allait retomber sur ses quatre pattes ou quoi. C'était marrant, quoi. Enfin, pas tout le monde qui saute comme ça. Peut-être un enfant pour jouer, mais un adulte, voilà, c'est étrange, quoi. La manière dont il a sauté, pour moi, c'était décalé, quoi. C'était pas très humain. Donc, je me suis dit, c'est quoi ça? Ça m'a paru étrange, en fait. Et ce qui était aussi étonnant, c'est que toute la vision, l'image, bah, c'était pas hyper net. Bon, la lumière n'était pas très forte, bien sûr, mais même visuellement, c'était comme si ce personnage était légèrement flou, légèrement éthérique, ou c'est difficile à trouver le nom pour expliquer. Mais voilà, comme si c'était pas de la roche, pas 100% matière, quoi. C'était un petit peu, ouais, un peu flou, un peu moins net. Mais pourtant, c'était, voilà, tout ce que je raconte, c'était très clair en même temps. Enfin, voilà, c'était pas non plus. Enfin, c'est juste que je veux dire qu'il y avait une espèce de substance un peu
légèrement brouillardeuse, je sais pas si on dit, dans ce personnage-là. Donc, sur le coup, je me suis dit, j'ai eu l'impression de voir un être, une créature d'une dimension parallèle. C'est ce que j'ai ressenti là. Moi, je crois en ces choses-là, dans tout ce qui est paranormal et les dimensions parallèles, tout ça. Et c'est la sensation que j'ai eue sur le coup. Puis voilà, j'en ai parlé à personne, sauf une fois à ma mère. Et quand j'ai sauté, elle m'a dit salut, ça lui a paru très, très marrant et étrange, justement, le saut. Et c'est jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai vu des vidéos, j'ai fait pas mal de recherches sur le Bigfoot et les Sasquatch en Amérique du Nord, donc, où ça s'associe un peu au Yeti ou aux Almastis aussi en Sibérie. Et là, j'ai fait un lien, j'ai connecté, je me suis dit, tiens, ça se trouve, ce que j'ai vu, bah, c'est une sorte de Sasquatch européen ou français qu'on ne connaît pas. Parce que voilà, ça a toutes les caractéristiques dans le sens où, de loin, toi, c'était tout marron. La manière dont il a sauté, qui était un peu animal. Le fait qu'il soit pas super net, mais un peu flou. On peut se dire peut-être que voilà, c'est une créature d'une dimension parallèle. Puis voilà, le contexte, c'était bizarre, quoi. Bon, tu sautes comme ça au milieu de la pleine forêt, pendant qu'il est en train de faire nuit, t'as rien. Apparemment, t'as pas d'objet sur toi. Voilà, c'est des choses qui s'ajoutent pour dire que c'est un phénomène quand même étrange et qui donne envie à se poser des questions et à trouver des réponses. Donc moi, ça me donne envie d'un jour peut-être revenir dans cette forêt un peu plus pour voir si je trouve des traces, des signes, essayer d'entrer en contact peut-être. Voilà, merci encore pour votre travail, votre générosité, votre bonne vibe aussi que vous transmettez. J'adore et j'apprends beaucoup. Et je pense que ça aide à éveiller les consciences aussi dans ce monde qui en a besoin. Voilà, bonne vie à tous et à vous, Nora Guillaume. Ciao, ciao, à bientôt. Nous poursuivons cette soirée témoignage extraordinaire avec une vidéo que j'ai été chercher dans les archives Nuria TV. À l'époque, Audrey nous avait raconté cette histoire assez incroyable d'une photo issue d'un magazine, une photo qui se retrouvait mystérieusement modifiée par la présence d'une ombre que je qualifierais d'inquiétante. Bon, comme promis, j'avais envie de raconter cette anecdote parce que lors de la nuit des Nuréens, il y avait cette soirée sur les orbes et ça parlait beaucoup de photographie. Et du coup, lors de l'émission, je me suis dit, ah mince, j'ai même pas pensé à ça, mais j'avais déjà prévu de parler d'autres choses. Alors du coup, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Donc en fait, pour expliquer le cadre de l'époque, c'est dans les années plutôt 90. Moi j'avais 16 ans, je pense, dans 15 ou 16 ans. Et j'habitais dans une cité HLM, donc dans un immeuble, un appartement ordinaire, dans une ville plutôt industrielle, donc pas un village hanté ou quoi. Et il n'y a jamais eu d'autres événements étrange dans cet appartement, c'est vraiment dans cet endroit-là, en tout cas. Il n'y a pas eu d'autres événements liés, il n'y a pas eu d'autres événements en corrélation avec cette photo. Donc, j'ai une période noir et blanc, je faisais de la photo, dans ma famille, il y a un photographe, et j'ai donc une période noir et blanc où dès qu'il y a une photo de magazine, une carte postale en noir et blanc, une page de journal en noir et blanc qui m'inspire, ben je l'accroche au mur, et ce qui fait que ma chambre est entièrement tapissée de photos et d'images en noir et blanc. Et le matin, quand je me lève, la première photo que je vois quand j'ouvre les yeux, c'est une photo de format A4,
qui représente en fait une ruelle, comme si une ruelle dans laquelle il aurait plu, et où se reflète un peu, vous savez, comme après la pluie, le macadam est un peu luisant. Et le sujet, c'est de manière un peu dans la profondeur de l'image, il y a une femme qui court en trench coat. Et je l'ai avec un air de stupéfaction, vous savez, comme dans les affiches de films, quand il y a un personnage qui court avec un air de stupéfaction, avec le manteau qui court qui se soulève dans le vent. Et j'avais trouvé cette image très nouvelle vague, et du coup, je l'avais accrochée là, contre le mur. Et un jour, quelque chose s'est manifesté sur cette photographie et ça n'a plus bougé. Il y a une zone qui s'est irradiée sous une forme particulière et ça n'a jamais bougé. C'est apparu et ça n'a pas bougé. Et moi, j'ai fait semblant de ne pas le voir. Je passais devant tous les jours. Il y avait une partie de moi qui était inquiète, mais qui faisait comme si de rien n'était. Et un jour, c'est une de mes cousines qui m'a dit, mais attends, c'était pas là ça avant. C'est quoi cette photo? Ça fait peur parce qu'en plus, ça crée une atmosphère complètement différente de l'atmosphère initiale de la photographie. C'est-à-dire qu'avant, la jeune fille, elle courait avec un air de stupéfaction comme si elle était poursuivie. Mais là, il y avait une main, enfin une zone irradiée en forme de main et pas du tout une main humaine. Hein. Par rapport à l'échelle de l'image, c'est juste pas possible parce que c'était trop petit et trop fin pour être une main humaine. Et c'était pas du tout une main d'enfant parce que c'était beaucoup trop longiligne et beaucoup trop grand pour être une main d'enfant normal, humain. Et donc cette main, elle était comme ça, dans le coin de l'image. Et en arrière, il y avait cette fille qui courait avec stupéfaction. Et du coup, ça créait un autre effet dramatique, mais du coup, beaucoup plus inquiétant. Et je vous promets que cette photo, je l'ai gardée dans ma chambre parce que j'étais très fière. Et même s'il y avait un côté inquiet chez moi, j'ai voulu la garder. Alors à l'époque, j'avais pas assez de jugeote ou de ressources culturelles ou intellectuelles pour me dire, bon, c'est quand même pas normal, hein, je connais la photo, je devrais peut-être la montrer à quelqu'un, je sais pas, un autre photographe ou contacter les gens de ce magazine pour vérifier, etc. À l'époque, je n'avais pas du tout ce déclic-là. Aujourd'hui, je l'aurais fait, mais à l'époque, je ne l'avais pas du tout. Et c'est vraiment parce que mes copines et ma cousine en particulier, elle m'a dit, mais c'est quoi, c'est une main de fée, d'elfe, c'est quoi ce truc bizarre? Et moi, je me suis complètement refermée et j'ai fait comme si bah, je ne savais pas et que... Bon, bah, ma foi, il y a un truc qui est apparu, mais bon, les adolescentes, quoi. Et voilà, donc avec le recul, j'ai essayé d'analyser ce que ça aurait pu être et je vois aucune explication parce que c'est une page de magazine. Donc après imprimerie, honnêtement, il n'y a aucune raison pour que... Ce qui peut se passer, par exemple, si vous laissez dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, une image en papier glacé au soleil, il se peut que les rayons du soleil irradient une partie de la page et du coup, ça va faire des espèces de traits ou de marques ou de taches irradiées qui auront blanchi un coin de la photo en noir et blanc. Mais là, c'est apparu du jour au lendemain et c'est une main. Genre vraiment très net, c'est très contrasté, c'est pas flou, c'est pas de... non, non, c'est un truc avec des doigts. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette photo? Ben, du coup, je l'ai gardée contre mon mur. J'ai vécu plusieurs années d'adolescence avec cette image contre le mur. Et puis après, le temps est passé. Donc, il y a des choses qui ont bougé. J'ai mis des choses dans des cartons. Cette image, elle a atterri à un moment donné dans un classeur, et puis finalement, c'est un classeur dont j'ai dû me débarrasser après avec le temps, et ce qui fait que cette photo finalement est perdue. Et c'est vrai que je le regrette parce qu'aujourd'hui, c'est comme si par exemple vous aviez une zone irradiée là, en forme de main, d'elfe ou de fée, quoi. Je dis pas que c'est un elfe ou une fée, hein. Je dis c'est juste pour illustrer la forme. Je me suis dit peut-être que c'est une zone, une fracture entre l'espace et le temps, et que dans une dimension parallèle,
que le Docteur Who est passé par là avec un de ses amis elfes et que du coup il a laissé une empreinte de main. Et parce que j'avais une grande fenêtre dans ma chambre et c'est ça explique pas parce que l'endroit irradié c'est tout le mur. C'est pas ça explique pas que un endroit de la photo en particulier soit irradié en forme de main. Et à cette échelle-là, c'est par rapport à l'échelle de la photographie et par rapport à l'échelle de la pellicule de tirage, c'est juste pas possible. Et comme je l'ai dit, le seul moyen qu'une photo en papier glacé soit irradiée comme ça, c'est qu'elle est traînée à un endroit où les rayons du soleil on irradie, mais du coup ça fait des taches, quoi, ça fait pas une main. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Malheureusement, donc cette photo, comme je l'ai dit, elle est perdue. Et aujourd'hui, honnêtement, je regrette parce que je l'aurais bien aimé la ramener à un zététicien ou à des gens qui impriment des magazines ou qui font de la photo et pour avoir leur avis parce que du coup, ça restera un cold case, un cas non résolu. Voilà. Une prochaine fois, peut-être pour une autre anecdote. Nous découvrons à présent le témoignage de Rose qui partage avec nous deux histoires, dont l'une qui concerne un rêve prémonitoire qui, semble-t-il, lui a évité le pire. Bonjour Nuria TV, bonjour Nora et Guillaume et tous les Nuréens. Votre chaîne égaye ma vie avec toutes ces belles histoires, ces rencontres. Donc pour ma part, j'ai choisi de raconter une histoire de rêve prémonitoire, on peut dire. Donc voilà, c'était il y a très longtemps, puisque j'ai des enfants qui ont 30 ans et plus, trois enfants. Et à l'époque, ils étaient tout petits. Et donc un soir, une nuit, je rêve que... À l'époque, je précise que je n'avais pas le permis de conduire. Donc dans mon rêve, je conduisais à l'aise, tranquille, mes trois enfants derrière. Et à un moment, tout bascule, accident. On plonge dans l'eau. L'eau commence à rentrer dans l'habitacle. C'était l'affolement. Et je me réveille. Et là, c'était tellement réaliste, tellement un rêve. Des fois, il y a des rêves sans queue ni tête, mais celui-là était tellement simple comme la vie, quoi. Mais je me suis dit, bon, déjà, j'ai pas le permis. Mais bon, si ça m'arrive un jour, comment faire pour me sortir de ce guépier? Comment sortir mes enfants de l'eau, comment trois enfants, voilà quoi. Et donc à l'époque, il n'y avait pas Google, j'avais pas d'ordinateur, j'avais rien, donc j'en parle à tout mon entourage proche, je me dis quand même, c'est bizarre ce rêve, comment t'aurais fait, comment tu ferais pour sortir tes enfants, on ne peut pas en laisser un, il faut les prendre des trois, qu'est-ce que je fais? Enfin, pendant 2-3 jours, j'ai été quand même prise dans cette discussion. Et puis, bon, au fur et à mesure du temps, je n'y ai plus pensé du tout. Et à peu près 2 ans après, je pense, avec une amie qui n'avait pas le permis non plus, qui avait 2 enfants, on s'est motivé, on s'est dit, allez, on va passer le permis de conduire. Il est temps, avec les enfants, ça va être plus simple, on va se motiver. Et donc, on l'a fait. Donc, à la deuxième tentative, j'ai eu mon permis, impeccable, contente. Et donc, je faisais ma petite vie. Un jour, c'était l'été. Ma sœur et moi, on a décidé de se retrouver dans un lac de la région. Et donc, je pars la rejoindre par un chemin que je connaissais bien. Et donc, on passe une journée super et tout. Et pour le retour, ma sœur me dit, mais pourquoi tu es passée par là? C'est beaucoup plus long. Je dis, oui, mais moi, je connais. Alors, je suis plus à l'aise par où je connais. Et elle me dit, mais non, tu vas me suivre. Et à un moment, je te montrerai où tu passes. Je te ferai ça. Pour bifurquer et tu verras, ça sera facile. Au bout d'un moment, tu reconnaîtras. Tu fais tout toujours tout droit et tu reconnaîtras. Ok. Donc, chose faite, on prend la route, je la suis. Et elle me fait signe, on se dit au revoir et je prends la route avec mes 3 enfants qui dormaient derrière. Moi, au volant, tranquille, mais sur une route que je ne connaissais pas. Et puis, en fait, j'avais l'impression de la connaître, cette route, de l'avoir déjà vue. Et plus ça allait, plus je la reconnaissais. Je me dis, mais c'est ça. Mais c'est la route de mes rêves. Ou de mon cauchemar. Donc là, Et à chaque virage, à chaque passage,
Je disais, mais c'est là, c'est pas possible, c'est là. Donc là, j'agrippe mon volant. Je ralentis la cadence et là, je scrute à 100%. Je suis à 100% dans la route. Je me dis, c'est pas possible, il peut rien m'arriver. Ce n'est pas possible. J'avais vraiment l'impression de revivre mon rêve. Et donc, je roule comme ça, bien, bien concentré pendant quelques minutes, quelques. Et là, au loin, je vois une grosse flaque. Avec à sa surface, le soleil tapait à la surface et ça faisait comme des arcs-en-ciel. Ce n'était pas de l'eau. En fait, je pense qu'avec le recul, ça devait être de l'essence, de l'huile, je ne sais pas. Et du coup, j'ai ralenti la cadence, j'ai doublé cette flaque et je suis partie. Et là, j'ai eu une espèce de. Je me suis sentie. Ça y est, c'était fini. Je n'avais plus peur. J'étais sortie. Sortie d'affaires, pour moi, c'était ça. Ce rêve, pour moi, il a été là pour qu'à ce moment précis, je sois concentrée. Parce que je roulais un peu vite, peut-être, pour rentrer plus vite, je ne sais pas. Pour qu'à ce moment-là, je sois concentrée, je vois cette flaque, je ne la prends pas à grande vitesse, je la double, je la contourne. Et je n'ai plus jamais eu peur de toute la route. J'étais bien. Voilà. Donc, merci à qui m'a envoyé ce rêve, que ce soit mon moi supérieur, mon papa qui est décédé, je ne sais pas. Et puisque je vois que j'ai encore un petit peu de temps, je raconte une deuxième histoire par rapport à un rêve, qui est beaucoup plus bref. Une nuit, je rêve. Je vois mon frère étendu au sol, couvert, mais recouvert de sang. Il était imbibé de sang. Et dans mon rêve, je hurle, je dis, il est mort, c'est pas possible. Et je me réveille en me disant, mais ouf, quelle horreur. J'en parle pas spécialement parce que les rêves, c'est tellement bête. Bon, un an ou deux après, c'est vrai que mon frère avait eu un accident, donc il s'était sorti avec des fractures ouvertes, des choses comme ça, mais. Voilà, je me souviens que le policier lui avait dit heureusement que vous n'avez pas mis la ceinture parce que sinon vous seriez mort, hein, monsieur. Voilà, c'était la police elle-même qui lui a dit. Et donc, voilà, un an passe après cet accident et un soir on était en soirée. Et puis mon frère se met à me raconter cet accident, tout en détail. Mais là où ça m'a le plus étonnée, c'est quand il m'a dit. Ce soir-là, j'avais le costume que j'ai mis à ton mariage, donc mon mariage à moi. Et il me dit, et il était imbibé de sang, mais vraiment, j'étais imbibé, couvert de sang, le costume, il était rouge, quoi, de toutes parts. On a dû le jeter, il a dit, je l'ai jeté, c'était pas possible, tout a été découpé par les pompiers, mais il était imbibé, complet. Et je ne sais pas combien de temps je suis restée couchée dans ce champ, imbibé de sang, puisque j'ai été éjectée de la voiture, je me suis endormie au volant. Et donc, là, ça m'a tilté. J'ai dit, mais en fait, je l'ai vu allongé dans ce champ, comme mort, imbibé de sang. Et c'était donc une image qui était dans le futur. Que je me suis dit à ce moment, parce que jamais j'avais repensé à ce rêve, mais quand il m'a raconté en détail, oui, j'ai repensé en effet. Voilà. Merci à vous tous de m'avoir écouté. La vie est un grand mystère tout de même. Un grand mystère. Bonne journée. Dans cette vidéo, Emmanuel, qui se présente à nous accompagné de deux charmantes créatures, nous livre deux anecdotes en lien avec le paranormal. Plus particulièrement le rapport qu'entretiennent les enfants avec celui-ci. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je reste persuadée que l'âme des enfants perçoit ce que l'âme des adultes oublie parfois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème des enfants et du paranormal. C'est un thème qu'on aborde un petit peu moins souvent et il se passe parfois des choses étonnantes. J'ai pour exemple l'histoire qui est arrivée à mon frère. Quand il était tout petit, mon frère avait un ami imaginaire qu'il l'avait prénommé Dédé. Donc il jouait dans sa chambre avec Dédé, c'était Dédé par-ci, Dédé par-là.
Et moi, je m'en souviens moins parce que je suis plus jeune que lui, donc c'est plus des choses qu'on m'a rapportées. Et puis, ben, nous avons grandi et Dédé a disparu de la circulation. Et puis, bien des années après, ma cousine a mis au monde un petit garçon. Et son petit bonhomme, vers l'âge de 3-4 ans, s'est inventé également, ou a rencontré également, un ami imaginaire. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est que sa maman l'a surpris un jour, dans sa chambre, en train de jouer avec son ami imaginaire, et il l'appelait Dédé. Alors, était-ce le même Dédé qui était venu visiter mon frère bien des années auparavant? Est-ce qu'on a un Dédé dans la famille qui vient visiter les enfants? En tout cas, moi je suis persuadée que les enfants perçoivent des choses. D'autant qu'il est arrivé une autre chose également à mon propre fils cette fois-ci, et je l'ai toujours cru très fort. Mon petit garçon rentre à cette époque-là, il est scolarisé en primaire. On rentre à la maison et nous on habite au premier étage d'un immeuble. Et quand on arrive directement sur l'immeuble, on voit notre fenêtre de l'arrière-cuisine. On voit pas le reste de l'appartement, on voit cette partie-là. Et là, il me dit, il y a une dame dans l'arrière-cuisine. Moi, je regarde par la fenêtre, je regarde en direction de la fenêtre et je ne vois personne. Et lui me dit, oui, il y a une dame, elle est tournée, il voyait ses cheveux, il voyait une dame de profil un peu, il ne savait pas trop dire plus. Bon, sans rentrer à la maison, il n'y avait personne dans l'arrière-cuisine, mais on reste persuadé que notre arrière-cuisine est potentiellement habitée par quelqu'un, parce que cette personne-là, bah, il l'a vue très longtemps. Très très longtemps, quand il descendait, il regardait par la fenêtre, il voyait, maman, la dame de l'arrière-cuisine, elle est là. Je lui disais, où est-ce qu'elle est? Moi, je ne la voyais pas. Et lui, il me dit, oui, elle est là et tout. Et par contre, moi, j'ai clairement ressenti des choses dans cette arrière-cuisine. Par exemple, je ne ferme jamais la porte de l'arrière-cuisine, elle donne sur la cuisine. Je ferme rarement la porte, pour des questions de pratique, en fait, tout simplement. Et je sais qu'une fois, j'ai voulu la fermer. Bon, je ne sais plus ce que je rangeais ce jour-là, j'avais quelque chose à mettre dedans, j'ai voulu fermer la porte. Et au moment de fermer la porte de cette arrière-cuisine, j'ai senti un malaise, j'ai senti comme un... Non, faut pas fermer cette porte. Et ça lui plaisait pas, ça plaisait pas à la personne qui était là. Donc j'ai dit, bon, ok, je ferme pas la porte. J'ai rouvert la porte et je me suis sentie mieux après. Une autre fois également, je sors de la salle de bain avec mon petit. À l'époque, il était pas très grand, donc je l'avais dans les bras. On retourne en direction de sa chambre. Et puis, dans le couloir, je passe et je sens un frais derrière moi, comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Vraiment, je sens une présence. Je ne dis rien. Je garde mon bébé dans les bras. Enfin, mon bébé, il n'était pas bébé, mais bon, il était petit, il était jeune. Je le pose dans son lit. Et là, il me dit, maman, il y avait quelqu'un dans le couloir. Je suis persuadée que les enfants arrivent à apercevoir des choses. Et quand mes enfants me parlent de choses comme ça, je les crois. Parce qu'il faut rester très ouvert à tout ça. Il faut garder son âme d'enfant. Il faut rester très ouvert à toutes ces choses. Et voilà, je pense que on dit pas l'âme d'enfant pour rien. Voilà. Et voilà. Donc je voulais simplement partager ces petites choses avec vous. Vous remercier énormément, énormément pour le travail fourni sur la chaîne, pour tous les partages qu'il y a entre tous les Nuréens, pour tous les intervenants qui viennent. Guillaume, Nora, vous êtes vraiment extraordinaires, on vous le dit, mais c'est vrai. Et puis, ben, on vous fait des gros bisous. Et puis, merci pour tout. Nous poursuivons cette soirée en compagnie de Violette et de la magnifique Adèle. Violette partage avec nous le récit très émouvant d'un rêve prémonitoire en lien avec le décès de sa maman. Un immense merci à toi, Violette, pour ce partage. Bonjour Nora, bonjour Guillaume et bonjour à tous les Nuréens. Je suis très heureuse de faire cette petite vidéo. Ça fait un certain temps que j'y pense déjà, au moins 2 ans. Voilà, je vais vous offrir un petit témoignage relatif au décès de ma maman. Et en fait, il y a deux événements dont je vais parler. Un événement qui s'est produit pendant qu'elle était malade et un qui s'est produit juste après son décès. Et peut-être aussi, je vous parlerai de ce qui s'est passé pendant son passage, en fait, pendant son agonie. Voilà, je ne vois pas d'autres termes pour décrire ça. Et d'abord, avant de commencer, je vous présente Adèle, bah, d'ailleurs, mon petit bébé.
qui s'est réveillée. Donc, je pense qu'elle va rester avec moi pendant le temps de la vidéo. J'espère qu'elle ne va pas trop nous embêter, hein. Voilà, donc j'ai découvert votre émission d'ailleurs pendant que ma maman était malade et je peux vous dire que ça m'a fait énormément de bien et que ça m'a permis de traverser cette période extrêmement difficile. Voilà, donc ma maman a été diagnostiquée en septembre 2017 avec un cancer des poumons au stade 4. J'étais en Angleterre à ce moment-là avec mon ex-mari à l'époque. Nous avions décidé d'habiter en Angleterre puisque mon ex-mari est anglais. Et donc nous étions retournés en Angleterre pour nous établir là-bas, pour essayer d'y vivre. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai décidé de retourner en France, de vivre avec mes parents pour m'occuper de ma maman. Parce que j'ai deux grandes sœurs, mais mes sœurs ont des familles, ont des enfants, et je savais, moi je n'en avais pas à l'époque, et je savais que des trois, je serais la plus disponible, et de toute façon, je pouvais vraiment pas faire autrement, j'avais vraiment besoin d'être auprès d'elles. Donc, ça a duré 10 mois. Je suis retournée en Angleterre, pardon, au mois de juillet, donc je suis arrivée en France fin septembre. Et puis 10 mois après, j'ai décidé de retourner en Angleterre pour retrouver mon mari. Ma maman était pas encore décédée, mais les choses n'allaient pas bien. Et puis ma sœur, 1 mois et demi après, m'a dit que c'était certainement la fin. Donc je suis retournée en France et je suis restée avec ma maman les 3 4 dernières semaines. Voilà. Auprès d'elle. Alors, ce qui s'est passé, premier événement marquant pour moi, c'est que lorsqu'elle était malade, je passais beaucoup de temps avec maman assise à côté d'elle sur le canapé. Souvent, elle regardait la télé sans vraiment la regarder. Elle regardait au loin, elle regardait dans le vague. Elle se perdait un petit peu dans, voilà, dans les images. Mais bon, c'était pas vraiment, c'était une espèce d'habitude. Et ben moi, je restais avec elle, je lui tenais la main, je lui faisais des massages. Et donc, c'était quelque chose de très, très récurrent. C'était tous les jours comme ça. Et en fait, j'ai rêvé, pendant qu'elle était malade, j'ai rêvé que on regardait toutes les deux la télé, comme on avait l'habitude de le faire l'après-midi, après manger. Et que. Ma maman s'endormait sur moi, donc elle avait sa tête sur mon épaule et moi j'avais ma tête reposant sur sa tête comme ça. Et je m'endormais aussi. Et dans mon rêve, je me réveillais et ma maman avait disparu. Il n'y avait plus ma maman, mais par contre j'étais comme ça et je tenais un bébé dans les mains. Et un bébé dont je savais pour sûr que c'était une fille. Et je me rappelle que je regardais ce bébé, j'étais complètement extasiée par la beauté de ce bébé qui me regardait avec de grands yeux bruns. Et puis c'était extrêmement réaliste. C'était un bébé qui avait plein de cheveux, comme ça, et un peu moite au niveau des tempes, je me rappelle ça, les joues un peu rouges, comme quand un bébé est bien au chaud, a bien tété. Voilà, il y avait. Et je regardais ce bébé. Ébahie, sans voix, et je reconnaissais à travers ce bébé ma mère. Je savais que dans ce bébé, il y avait ma maman. Ça, voilà, c'est le rêve que j'ai fait pendant que ma maman était malade. Et alors, là où je ne sais pas si on pourrait parler de synchronicité, parce que je ne suis pas sûre de la définition de ce terme, c'est que j'ai eu une fille qui s'appelle Adèle, qui porte aussi le nom de ma maman, qui s'appelait Christiane, Adèle Rose Christiane. Et ce qui est dingue, c'est que ben, peu de temps après, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque, qui était mon mari. Donc, je me suis séparée. Très vite, j'ai rencontré quelqu'un dont j'ai vu tout de suite qu'il serait le père de mon enfant. Et ce qui est, en fait, j'ai eu envie de faire
à nouveau des enfants, sachant que j'étais quand même à un âge avancé, 30, 30, 30, 36 ans pour pour ma fille. Et on a eu une petite fille. Et voilà. Donc pour moi, c'est un rêve, ce qu'on appellerait un rêve prémonitoire. Et en même temps, alors la dernière chose importante à ce sujet, c'est que ma maman est née le 5 décembre, donc elle est née au mois de décembre, et elle est partie le 28 octobre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'anniversaires en octobre. Il y a l'anniversaire de mon neveu Thomas, mon anniversaire ju juste après, 2 jours après, l'anniversaire de ma sœur, une semaine après moi. Et ma maman est décédée 3 jours après l'anniversaire de ma sœur. Donc elle a attendu que tous ses anniversaires soient passés avant de partir. Donc elle est partie le 28 octobre. Elle est née le 5 décembre. Et Adèle est née le 28 décembre. Donc c'est comme si elle faisait la synthèse entre le départ de ma maman à 28 et en même temps la naissance de ma maman en décembre. Comme si la boucle était bouclée en quelque sorte. Donc voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de marquant pour moi. Le deuxième événement très marquant, c'est. Donc ma maman est décédée le 28 octobre. Mon ex-mari, à l'époque qui était toujours mon mari, est venu dès qu'il a pu. Me rejoindre en France. Je crois 5 jours après son décès, il y a eu la crémation. Et nous sommes retournés en Angleterre, je crois, le surlendemain de la crémation. Je ne sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain. Donc nous sommes retournés en Angleterre. Alors, détail important, c'est que ma maman s'est faite incinérée avec dans son cercueil, elle avait juste un petit bouquet d'immortelles qu'elle tenait entre les mains. Vraiment, c'était simple la cérémonie parce qu'elle voulait pas de musique, elle voulait pas de discours. Alors, on a quand même lu moi et mes soeurs avons lu une lettre que mon papa avait écrite pour lui rendre hommage, et c'est tout quoi. Donc, c'est une cérémonie vraiment très très simple, et voilà. Donc, dans son cercueil, ma maman avait son petit bouquet d'immortelles sur la poitrine et elle voulait qu'on mette des photos de nous. Et voilà. Et la première nuit ou le lendemain, je ne sais plus, enfin, très très vite, dans les 2, 3 premiers jours qui ont suivi la crémation et à mon retour en Angleterre, j'ai fait un rêve très 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 pour moi symbolique, très chargé. D'ailleurs, je crois que je crois que c'est le seul rêve que j'ai fait avec le rêve que je vous ai décrit tout à l'heure, qui avait cette charge symbolique importante. J'ai rêvé que je cherchais ma mère partout. J'étais dans ma chambre en Angleterre et je cherchais ma mère. J'avais envie de me blottir contre elle. Je la cherchais pour un câlin, en fait. Alors c'est absurde, hein, comme beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'absurdes. Et alors je cherchais ma mère dans des valises. Donc j'ouvrais des valises et je cherchais ma mère, je ne la trouvais pas. Et à un moment donné, de dessous de mon lit, je sors une valise très large et très, très peu profonde. J'ouvre la valise et la valise était remplie d'immortels. Je crois que je me suis réveillée à ce moment-là et j'étais dans un état de, je sais pas, j'étais très très heureuse quoi. J'ai vraiment l'impression que ma maman m'avait envoyé un message en me disant, ben voilà, je suis toujours là, sous une autre forme, tu me vois peut-être pas, mais je suis là. Et en plus, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement tellement beau, discret, fin, subtil, de m'envoyer de m'envoyer un message sous cette forme-là, c'est quelque chose, ça m'a vraiment permis, aidé, parce que la période qui a suivi a été très difficile, et de me raccrocher à ça, à ce rêve, ça m'a quand même permis de surmonter la tristesse, le deuil et tout ça. Alors j'ai essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec ma mère, avec des pierres, avec tout un tas de trucs. Mais je pense pas avoir réussi, hormis
hormis à travers ces rêves que je vous ai décrits. Voilà, c'est déjà beaucoup. En tout cas, ça m'a confortée dans l'idée que les choses ne s'arrêtent pas après la mort et qu'il y a vraiment des choses belles et étranges qui se produisent, que les âmes communiquent. Et voilà, je vais m'arrêter là parce qu'elle commence à s'agiter. On dit au revoir Nuria. Merci, merci beaucoup. Et peut-être à bientôt. Au revoir. Pour ce dernier témoignage, là aussi, je me suis replongé dans les archives Nuria avec une vidéo très courte qui nous avait été envoyée par Claude. Elle revient sur une manifestation très furtive qui s'était déroulée lors d'une cérémonie de la fête de la pleine lune dans le bois de Vincennes. Je vous laisse découvrir cette vidéo et vous la commente en même temps. La scène se déroule au début de la cérémonie, lors de la purification des participants par le bain de fumée de sauge. Une sorte de flèche part de derrière l'épaule de la jeune fille concernée par la purification vers une autre qui se prépare un peu plus loin. Le trait de lumière se déplace vers elle et passe au-dessus de sa tête. Pour Claude, qui nous avait envoyé cette vidéo, il semblait que cette manifestation soit celle d'un esprit. Peut-être de votre côté auriez-vous d'autres explications à nous fournir, d'autres hypothèses, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà les amis, nous voici arrivés à la fin de cette émission Témoignages extraordinaires. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi je vous dis à très bientôt en live sur Nuria TV. D'ici là, bonne fin de soirée à tous, prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao!